Hortus Focus présente. Le démarrage est important. Donc nous, on cultive dans un sol très, enfin dans un terreau très léger. Il y a un petit peu d'engrais au départ pour que l'enracinement se fasse très bien. Une fois bien enracinée, la plante, elle est beaucoup plus facile à gérer. Elle est beaucoup plus résistante au manque d'eau qu'aux excès d'eau. Et puis après, une fois la plante bien installée, il suffit de tirer sur les vieilles tiges, les vieilles fleurs, pour créer une petite blessure qui fasse redémarrer une autre pousse. Franchement, pour faire un bouquet, vous voulez que ça dure à peu près 15 jours, il faut prendre de l'alstromère. C'est vraiment une fleur très résistante en bouquet. Il y a d'ailleurs beaucoup de gens qui sont habitués à prendre des alstromères jardin pour faire leur bouquet eux-mêmes chez eux. C'est très florifère. C'est le démarrage, mais après, vous pouvez rajouter un petit peu d'engrais, soit crottin de cheval ou juste un petit truc avec de la potasse, un engrais géranium suffira. Et puis vous aurez des fleurs jusqu'aux premières gelées. Vous pouvez simplement les rabattre. Alors, si vous les taillez, effectivement, ça fait plus ordonné dans le jardin. Par contre, si vous attendez juste la première gelée, ça rabat la plante et puis après vous mettez un paillage. Donc des feuilles mortes ou un petit voile d'hivernage, mais bien protéger la souche pour qu'elle reparte l'année suivante.